gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog edison3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo d'une autre aventure sur Ryzen 3 Titan Lord sur PC. Je rappelle que le jeu m'a été offert par Pelline, encore une fois un grand merci à elle. Nous sommes sur l'île des aigres fins, l'île des gnomes, qui semble avoir de nombreux soucis, notamment vis-à-vis de leur envahisseur, les gobelins. Voyons voir un petit peu, donc on avait déjà accompli quelques missions pour eux, on va continuer et voir un petit peu ce que chacun a à nous dire. A homie, a real homie. Non, je suis un faux homme, ça se voit pas? Do you mean me? Yip yip, I have never traded dinghy with real homies. Are you a merchant? Yip yip, Nanook only the best dinghies in his store. I sell to you for shiny dinghies. Trado, trado. Apparemment je pourrais le voler lui. Can I learn something from you? Yip yip. Ruse 30, influence 30. Personne ne peut vous arnaquer, vous parviendrez même à vendre ses propres articles à un marchand. Une réduction de 5% par niveau. I'm really not that good. Donc il me faut 30 en ruse et 30 en influence. On va aller voir ça. Non, c'est dans le personnage. 30 en ruse. Et 30 en influence. Normalement, ça devrait être bon. Donc la ruse, pistolet, arbalète, dague, coup critique. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi on parle de ruse par rapport à ça. Pour moi, la ruse, ça correspond pas à la capacité à utiliser des armes à distance. Ouais, c'est bizarre. Et influence, langue de velours, intimidation. Ok, ça par contre, c'est plus intéressant. Résistance, faudra que j'augmente ma dextérité aussi à un moment ou à un autre. Je crois que c'était le corps à corps et la dextérité qu'il fallait que j'augmente, non? Ouais, quelque chose dans le genre. Bref, donc on va valider ça. Can I learn something from you? Yep, yep. Show me how to negotiate a better deal when trading. Homie is good, PV. Maîtriser marche. Oh punaise. Personne ne veut, ne peut vous arnaquer, vous parliez même avant. Hein? Ok, bon, ça on le savait déjà. On va lui demander de faire affaire. Let's make trade. Yip yip. Est-ce que t'as du rhum? Ah, parfait. Par contre, ça coûte toujours aussi cher le rhum. Hein. Vol de perroquet, ça m'intéresse pas. On va tout lui prendre au niveau du rhum. Voilà, 816, c'est pas joli joli. Peut-être que je peux lui vendre quelques petits trucs que j'utiliserai pas, moi. Genre la massue, je sais que ça me servira à rien. Lame de l'ombre... lame de l'ombre serait plus intéressant d'utiliser que l'épée d'officier, en fait. Ça fait monter à plus 5. Ça, je garde. Les torches, j'en ai 15, pas besoin d'autant, donc on va en vendre quelques-unes, on va en garder... on va en vendre 10... Ouais, 13. Il m'en restera 2. Provisions, grog... Grog, j'en ai qu'un seul... Ok, antalgique, je garde, alcool magique aussi... Toutes mes plantes, je garde... Ça, je garde... Ça, je vends tout... Les armes de l'ombre, petite boîte... Minerai, je garde, assiette d'argent, je vends, calice pareil, calice d'argent, idem, chandelier, hop là, corne pour boire, ça se vend, les pierres, je les garde au cas où, encore une fois. Hein. Jade, os, quoique jade, je devrais pas avoir besoin de tout ça. Donc on va en vendre, on a 22, on va en vendre 10. Dans langue. Les recettes, je les garde, pioche, on n'a besoin que d'une seule, pelle aussi. Crâne, on va en garder, on va en vendre 6, on peut en avoir que 2, ça suffit amplement. J'espère qu'aucun d'entre eux va me demander une fourchette ou un couteau. Je serai dégoûté. Plume doigt, allez hop, on va en garder une caou, puis pareil, balai, marmite, longue vue, on en lance une, miroir pareil. Marteau de forgeron. Je sais pas, il me semble qu'il y en avait un qui avait perdu son marteau. On verra pour la suite plus tard. Donc j'ai déjà un peu plus d'or.
Ça c'est bon. Collection d'ailleurs, on était où au niveau des collections? Cuirasse abîmée. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur cette carte-là? Calador, Kila, Taranis, Taranis, Calador, Taranis, punaise, il y a des choses à récupérer. Kila, Calador, punaise. En même temps, c'est toutes des îles que je n'ai pas encore visitées. Edward, c'est qui celui-là? Ah si, je le reconnais. Horace et Bones. Et l'île des Aigrefins, invasion de gobelins. Calme m'a parlé de l'invasion de gobelins, ok. Vie. Ce sera plus tard à mon avis que j'aiderai à débarrasser des gobelins du Nord. On va d'abord finir les quêtes des Orikulki. Et on verra après. It is honor for this gnou to welcome him. Oh, look, homie, behind you. What? Oh, la saleté. Give me my gold. I'm only testing you. Homie has watchful eyes. Here your gold. Hey, tu m'as... Il manque une pièce. Oh bon, on va lui laisser, c'est pas grave. You can keep the last coin. If homie were a bit smaller, he would be good gnou. People no underestimate you. On va le laisser tranquille, il est pas méchant. Par contre, je vais fouiller sa baraque, t'inquiète pas, que s'il y a des choses dedans, je vais pas me gêner. Genre hop, le grog, basta. Mais Loki, Loki. Et il est content que je le vole, tout va bien. On va voir qui est le plus grand voleur, regarde ton coffre, pan. Hey, Nono. De quoi, Nono? T'as voulu me prendre une pièce d'or en trop. Bon, le reste, je peux te le laisser. J'aurais même pas dû vider son coffre, en fait, puisque du coup, ça me sert pas à grand-chose. Dans le dos, c'est bon, je suis déjà à fond. Je sais plus si j'avais visité par là. Ouais, ici, c'est là qu'il y a le... On va peut-être aller voir ici. Jusque là-bas. On va se balader à l'est. Je crois qu'il y a des zones que j'avais déjà pas mal visitées dans ce coin-là. Hey, you, Taki! Figure. No, no! Si, si! On Hormi? Tudango gnou? Mi gnou basha noggin! Et vous dites sur ma mère. Lango. Oh, blah blah. Ori. Kulki or something. Homie crapa in lango of gnou. Gnou crapa in lango of homie. Diffo to granny. Not blah blah. No blah blah. This gnou no lango, homie. Ok, bon. J'ai compris. Tu sais pas trop parler ma langue. En même temps, c'est normal, je suis sur ton île. Look, homie, behind you. Akil already tried to pick my pocket. Don't you try it. Colmo is sorry. Here is your coinie. That wasn't so hard, was it? Did you just steal the same coin again? I sorry. Golmo can't control fingers. Here, take coiny and go. Golmo ashamed to be caught. You better not come too close to Golmo. Golmo no control himself. Ah, sticky fingers. Et si je reparle, je repère mes pièces. Golmo has to try hard not to steal. Here, your coiny back. Ah, c'est génial. What does Homie want of me?
If Homie tried to steal, Zeki gets angry. Est-ce que j'ai assez pour du vol à la tire? I'm not a thief. That's good, Homie. Zeki can't stand Dingy being taken away from him. Then it's good I didn't try. Zeki can get very dango if he gets stolen from. What are you doing here? Zeki is considering a plan to kill Blinz. A gnome who wants to fight against goblins. Blinz bad. Blinz occupy ancestral graveyard. Zeki responsible for the ancestors' peace. I can't allow Blinz to destroy even more ancestors. Alors, qu'est-ce que tu comptes me donner si je t'aide? Quel est ton plan en gis? Je vais régler leur compte à tes gobelins. On va pas y demander de contrepartie. What's your plan exactly? I will draw my weapon and kill Blinz. Then Zeki will return victorious and be celebrated by other Gnu. When Zeki strike, Blinz will soon stop laughing. That's your plan? Yes. Zeki has never fought, but can't be that hard, can it? Perhaps you'd better leave it to me. I'll take care of your goblins. You would do that? Zeki has one condition. If you kill Blinz, please don't tell nobody. Zeki wants to keep fame for himself. Everyone will say, "Oh, great Zeki, take our dinghy." Zeki will take dinghy and never need to steal again. If you say so. Du coup, si tu fais ça pour la gloire, alors que c'est moi qui récupère tout là. What will you give me if I help you? If Homie helps Zeki, Zeki can give Homie dinghy. Be more specific. Homie can choose. I can give Homie gold or valuable dinghy. I have to think about what kind of dinghy is valuable for Homie. I have heard a rumor that Pot for Head does not like Homie. I shall think of something else. Bon, on va essayer de descendre pour l'instant, si encore une fois on n'a pas fait le tour de toute la zone. Alors toi, il fallait que tu récupères ton... Bon bah j'ai trouvé le marteau. Oh mon marteau! Marteau de Malik. Roi des forêts... Ouais, je sais, désolé, ça n'avait rien à voir. Is this the hammer you were looking for? Hey, it is! Hammer! But where did Homie find it? It was on some crate near the stockade. Not far from Malik's work. Ah, Malik gone blind. I think so too. But because Homie's so nice, he get big donor. Please, oh Homie. 5 gold and a chicken leg. Great. Yep, yep. Ah bah c'était de l'avoir pour eux. La valeur pour eux, pardon. Ensuite. Dowie is safe. Miss Smiler, where was he? He let himself be captured by a man named Russell. Evil Homies on island? Oh, thought Homies were good. Not all of them, unfortunately. Main thing, Dowie back, he can help. Here, you earn it. Good Homie. Oh, merci l'ami, ça me fait plaisir. Du coup, je suis où exactement là? Je suis là. Soit je fais le tour par ici, en fait, je préférais faire le tour par là-bas. Donc on va revenir un petit peu sur nos pas. Et aller voir là-haut. Donc là, faut que j'évite d'y aller tout de suite. Ça, je crois que j'avais déjà visité. Toi, t'es qui? You come to Island of Gnu. You have no horrible fear of Gnu. Why should I be afraid? Because of Zeki. When Gnu steal, they steal for reason. You steal from the right one and give to the wrong one, you can cause fall of empire. The whole world is dependent on happiness of Gnu. If we not happy, we could annihilate the world. Steal something here, give something there, and everyone hates everyone in no time. And we Gnu are the winners. That's how you imagine it, is it? I speak the truth, Homie. You better prepare yourself. How can I protect myself against them? If you not want be robbed, you must become robber yourself! If Homie wants to be good thief,
He must keep some dinghy in mind. You must not see bag or pocket you want to rob. You must become pocket or bag. Like water. You must be water, my friend. Being a good thief is art, homie. Art that I can teach you. Tu vas me plaire, toi? Teach me something. Yip, yip. Ça me plaît. Ça, je pourrais pas. Teach me how to improve my lock-picking skills. No problem, homie. Oh, dextérité 60, j'y suis pas encore. Et ça, langue de velours... I'm not good enough at this. Ah, ruse 35... Ah oui, effectivement, influence 55, j'y suis pas encore. Bon, le reste, on verra plus tard. En tout cas, on peut être sûr que eux, là, rapportent pas mal de points. Let's trade. Yep, yep. Enfin, les gnous. Ah, j'ai pas vu que je pouvais les faire tourner, en fait, c'est classe. Par contre, c'est un peu lent au niveau de la souris quand on les fait tourner. J'aime bien. Et je peux pas zoomer dessus? Non, tant pis. Alcool... Ah, t'as du grog à petit prix en plus, ça c'est bon. Je t'en prends 5. Voilà. Ensuite, le reste, tu peux le garder, quoique les balles, 80. Voilà, comme ça, on verra bien. Mes balles, pareil, je vais te les prendre toutes. Je me sentirai plus tranquille comme ça. Salut! Je vais voir plus loin, voilà, comme ça j'ai pas mal de flèches sur l'arbalète. Ça peut toujours servir, faudrait juste que j'apprenne à viser un peu mieux. Et pour cela, je crois qu'il y a des compétences. Voyons voir, cible, plan d'âme, non, c'est pas ça que je voulais, attribuer. À distance. Gros critique. Ah non, arbalète, c'est là, c'est dans ruse. Bon bah tant mieux, ça m'arrange. J'imagine que ça allait quelque part, ça, avant. Bon, nouvelle pioche, sauf que je ne peux plus y aller. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait avant, ici, en imaginant qu'il y avait quelque chose. Par contre, je crois que je me souviens de cette zone. C'est là où nous devions tuer... Bah tiens, le voilà. Le mangeur de... Est-ce que je peux réussir à l'affronter seul? On va voir ça. Le mangeur de gnomes. Normalement, ils sont assez lents pour que je puisse les avoir, donc je suis curieux. Aïe. C'est vrai qu'ils sont ceux-là. Hop là, gloire plus 400 et à moi tout seul, je vous prie. Bon, on va attendre peut-être un petit peu que ma vie remonte. J'ai vu qu'il y en avait un autre à peine plus loin, voilà, qui est en train d'apparaître. Et il va commencer à faire nuit, ça risque de pas être pratique pour se repérer dans le décor. Petite sauvegarde quand même au cas où, pendant que ma vie remonte. Je pourrais peut-être en profiter pour essayer de...
de gérer un peu mieux mon inventaire. Donc ça va aller là, voilà, comme ceci. Ça, c'est du rhum. Ça, c'est des antalgiques. Donc les antalgiques, on va les mettre là. Et ensuite, on va prendre l'alcool bon marché qu'on va mettre ici. Et le grog, là. Voilà. Ça va, mon gros, là-bas? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait claquer ses mains, là? Ou ses doigts, je sais pas. Bon, allez, allons l'affronter. On va dire que tout va bien se passer. Bien le bonjour, grosse bestiole! J'aime quand ça fonctionne aussi bien. Aïe, je l'ai perdu de vue. Aïe. Bon, ça, j'ai pas trop perdu envie. Non, recule. Ouais, c'est bon. On attaque, l'arrêter. Aïe, pas joli, joli ça. S'éloigne un peu. Aïe, pourquoi il a pas voulu esquiver? Dégage! Et voilà, plus 400, punaise que c'est beau. J'aurais peut-être un petit peu plus galéré quand même que les autres fois là. Voilà, on reprend quelques provisions. Histoire de remonter un peu notre vie. Ah, de l'or. C'est tout? Juste pour une petite piécette. Rien de plus? Ah, si, y a quand même des choses par là. Ça se trouve, il y a un trésor enterré quelque part dans le coin, mais on peut pas l'avoir tout de suite, tout de suite. Voilà, il fallait juste retrouver ça, en fait. Ça me paraît un peu bizarre qu'il y en ait si peu, mais bon. J'ai pas bloqué bon. Tiens. Comment c'est génial le système d'esquive. Aïe. Je dis que c'est génial, mais en attendant, je me fais démonter. Est-ce que c'était là que je voulais aller? Ouais, je crois que je voulais continuer par ici, il y avait un gros monstre au bout là-bas. Je suis curieux d'aller voir ça. Parce que je doute que ça aille plus loin de ce côté là-bas. Bon, je verrai ça en revenant de toute façon. Dans le pire des cas. Bon, là pour l'instant ça continue. Ça passe toujours. Plage. Aïe, non. Enfin, je dis aïe, mais en même temps, c'est bidon de dire aïe. Ah.
ressemble à un troisième. Ça va pas être pratique de sortir de ça. Oh, en plus, le crabe. Tout va bien. Ouais, écoutez, les gars, il y en aura pour tout le monde, hein. Maintenant, ça va être à toi, mon gros. Par contre, j'aimerais bien pouvoir m'échapper. Oh, punaise, j'aime pas être coincé dans le décor dans ces jeux-là. Oh là, la riposte est vachement pratique contre ce genre de bestiole encore. Alors, tu te sens mieux sur ton dos, là ? Et voilà, petit peu de gloire ne me fera pas de mal. Ça c'est fait. On ne laisse pas spécialement de nager, mais bon. On récupère un petit peu, avec les provisions, heureusement que j'en ai. Faudrait, je pense aussi quand même à récupérer les perles qu'il peut y avoir dans les palourdes. Parce que je crois que j'en ai ramassé pas mal depuis un certain temps et je ne les ai pas ouvertes. Donc c'est un peu, je trouve, de ma part, là aussi ça sent mauvais le trésor quelquefois dans ce coin. Regardez-moi ça. Enfin, sans mauvais, sans bon. Plutôt. Ah! Ouais, le système de combat a quelques petits défauts quand même, mais. Il reste fichtrement agréable quand on le maîtrise, je pense. Voilà. On les palourdes du coup, on était où les palourdes? Palourdes. Ça va être dans butin. Palourdes, on a 42. Et voilà, plus de palourdes. Et quelques perles en plus. Continue, fleur de feu. Par contre, c'est chiant ce bug là. Aïe. Je pensais réussir à avoir bloqué, mais non. Aïe. Mais mince, j'ai appuyé pourtant. Il me semblait bien l'avoir bloqué. J'étais bien fouillé. Oui, il avait une palourde, celui, d'accord. Suivant. Ah, je commence à voir mon bateau, donc j'imagine que la grosse bestiole doit plus être très loin. Aïe. Tiens. Voilà, cadeau. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et grosse bestiole, où étais-tu? Je suis sûr que t'es quelque part par là. Ouais, te voilà avec tes grandes mains. Aïe. Ouais, là j'ai réussi à faire une esquive, une belle esquive même. Encore une. Voilà, bon, on va peut-être se garder avant que lui là-bas nous repère. Je sais pas trop ce que c'est que ce bestiau. Aïe. Et c'est pour un peu. Là, je me fais un peu destroy. En même temps, c'est vrai que de l'autre côté, je joue pas en difficile. Aïe. Je
vraiment pas très bon. On récupère un petit peu de vie. Aïe. Eh, vous êtes bien gentil, mais... Oh, punaise. Et voilà. Non, mais sérieusement, il y a des fois les caméras, mais c'est tellement bidon. Bon, après, on peut tourner autour, mais... Je comprends pas qu'il n'y ait pas un système qui permette de passer, de rendre invisible une partie du décor quand la caméra est comme ça, quoi. Ça me perturbe un peu qu'il n'ait pas pensé, à faire ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à voir. En tout cas, on aura éliminé quelques bestioles supplémentaires. Du coup, on va se rendre à nouveau au centre, ici. Voilà, il y a peut-être un tonneau d'eau qui traîne dans le coin, ce qui va me permettre de récupérer un petit peu de vie, ici, je crois. Ouais. Et du coup, on va partir voir au sud ce qui se passe. Et le sud, c'est par là. Et une fois que j'aurai récupéré tous les oricoolkies, on pourra s'attaquer. Ah bah c'est, il s'est remis au boulot. C'est cool. Bravo. Donc je suis là, maintenant faut que je prenne à gauche j'imagine. Voilà, c'est ça. Super, j'ai pas vu que c'était un ennemi. Aïe. Très très utile la parade, hein, vraiment. Enfin la riposte, je veux dire. Surtout quand on sait qu'ils vont attaquer une ou deux fois d'affilée. Allô, allô. Ça c'est bon mes copains, c'est assez bon. Comme dirait l'autre, c'est fort en chocolat. Ouais. Il y a autre chose ici à prendre. Ah oui, c'était par là-bas que j'étais passé pour récupérer le contenu de... Enfin, l'autre Rekulkie. J'espère que les autres vont redevenir mes alliés. Après, les chamans, là. Oh, sympa, c'est quoi cette bestiole? Une termite brillante? Aïe. Aïe. Impitoyable, 375 sur 600 ou 500, j'arrive pas à lire d'ici. Enfin, je sais pas si vous le verrez le succès qui est apparu là. Bon, on va se regarder en rentrant la grotte parce que je lui fais pas spécialement confiance celle-ci. Aïe. Mais pourquoi ça a pas marché là? Ah oui, je dis que je voulais changer d'arme aussi, je voulais prendre une arme de l'ombre. Maintenant que j'y pense. Équipement, main droite, et voilà, lame de l'ombre. Je devrais pouvoir faire plus de dégâts avec ça. Alors, voyons voir si je sais où ça va me mener cette histoire. Je crois qu'on va ressortir peut-être par là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Mais sors ton arme, Schtroumpf. Super, l'acide. Eh, vous avez pas l'impression qu'on peut vous acharner tous en même temps sur un pauvre gars qui est coincé dans le décor, comme d'habitude. Mais quand ça veut pas fonctionner, et franchement ça passe super bien dans les zones ouvertes, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
je vais crever ici, ça continue. Ah oh, mais... C'est bon, un de moins. Voilà, va mourir ailleurs, toi. Oh, punaise, que ça fut laborieux. C'était pas joli du tout, ça. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est frustrant, il y a plein de cailloux, il y a plein de champignons qui bloquent le passage, et du coup, on comprend pas trop, là. Ce qu'on fait, quand on se déplace, on voit plus rien. C'est tout de même galère, je trouve. Vas-y, reviens par là, c'est un peu plus large, le passage. Voilà, bonne nuit. On récupère un œil sur des araignées, en même temps, c'est vrai qu'elles en ont plusieurs. Je vois qu'il y a lui là, est-ce qu'il est avec nous ou pas celui-là? Famille, d'accord. Crapper! Oh, homie! You better leave here, homie! Not safe here! You bring great danger on us! What do you mean? I must not be noticed! Homie's always loud and big! Homie's always easy to notice! Ah, j'y manque un tout petit peu pour lui faire du vol à la tire, ça aurait été tellement rigolo. Why are you so afraid? I'm Gnu. Oh, I forgot. Gnu only alive because they careful and don't always attack her when they see Blin. Homies careless and always want to bash her. I guess there's some truth to that. Pourquoi veux-tu éviter d'être repéré? Why don't you want to be seen? Calm say I should not be caught. If Blin see me, them Gnu in village die. Et si je t'aidais? Should I help you? Homie would do that? My task is of retrieving an important dinghy belonging to us Gnu. But can you be quiet and careful? Don't forget, if you be caught, Gnu will die in village. Alors, je vais récupérer ça là-bas sans qu'on me repère. Comment puis-je pénétrer dans le camp sans me faire repérer? How do I get into the camp without being seen? Famir has come up with a plan. The best would be for Hummy to head east from here. There is small gorge there. You will recognize it because many glowing crystals are in it. Pass it and climb out again behind the camp. Then the best would be for Hummy to cross the crystal gorge from behind and jump across. Or he can try to sneak into the camp from there. Try it, Hummy. Ok. Bon, bah, on va lui dire qu'on va récupérer ses oignons. Enfin, ce serait cool qui, en l'occurrence. I'll get that thing out of there unnoticed. Ok. This Gnu trusts you, homie. You not kill Blins or Shaman Spirit. Go in quietly. Steal dinghy and come out again. Also quietly. Understood. Ok, bon, du coup, je vais retourner voir un tout petit peu par le chemin, là, ce qui me semble qu'il y avait un gnou qu'on avait vu, le, enfin, un gnou, un gnome. Oh, toi, tu te calmes. Oh, couché, j'ai dit. Voilà, bonne nuit, le machin. Il me semble que j'avais vu un gnou non loin d'ici. Ça, par contre, je pense pas que ce soit ce à quoi je pensais. Ouais, mais ça me plaît du coup d'être monté. Ah, là, ça aurait été vraiment pratique. J'aurais été dans Far Cry 4. J'aurais pris mes jumelles, j'aurais fait « Oh, on voit tout le monde !» Bon, je pense que c'était de ça dont il parlait tout à l'heure. Notre ami, là.
Je vois pas où ça pourrait être plus. Enfin, quand je dis ça, je parlais de la partie falaise, entre guillemets. On va essayer de sauter une marche. Ouh, mais il y a un petit croco en dessous. Bon, on va aller l'accueillir comme il se doit. Pourquoi la musique s'est lancée comme si on était attaqué? Toi, là, viens me voir. Ils sont plus difficiles à esquiver. Enfin, à riposter, je veux dire. Sauf quand on sait qu'ils attaquent une deuxième fois à chaque fois. Ah, encore un moins. C'est bon, suivant. Allez, viens là, toi. Mais... Surtout, prends bien ton temps pour esquiver les attaques quand je te le demande. Alors eux sont beaucoup plus difficiles à bloquer, je trouve. Surtout que ça va pas me bloquer des attaques d'affilée. C'est bon. Petite sauvegarde, on va l'attaquer le gros crocodile. Crocodile, où es-tu? Bonjour mon cher ami. Alors arrêtez qu'il nous saute dessus si possible. Oui, il a pas l'air, il doit faire la sieste. Mais c'est pas une raison. En fait, il est pas très pratique celui-là. Aïe. Tu m'excuses, je me mets un peu de toi. Aïe. Dégage, te fais pas bouffer. Voilà. Punaise, ça aurait été extrêmement laborieux là aussi. Comment j'ai fait pour me louper autant, quoi? J'ai l'impression qu'il y a un truc à ramasser. Oh punaise, y'en a un autre, je l'avais pas vu. Oh là là, oh là là, oh là. Bon, moi l'avantage... et que je peux y gagner. Pff, manqué, il a bien manqué. Eh mais tu sais viser ou pas? Oh là là, mais non, mais dégage, reste pas coincé dans le décor, c'est gonflant. Je sais pas ce que j'ai pris là comme truc pour me soigner, mais c'était pas joli. Toujours de l'attaque d'affilée. Ah non, pas toujours. Dégage, quand seulement de faire une esquive, tu esquives, tu fais pas... Fais pas ton schtroumpf là. Et voilà. Dans le genre, je fais ma quiche, difficile de faire mieux. Hein.
quoi? Mais d'où est-ce qu'elle sort celle-là? Oh! Dégage. Chacun son tour, hein, bestiole. Voilà. Je préfère quand ça se passe comme ça. Hein? Pas vous? Ah super, on est revenu ici en fait. Il y a des gobelins pas loin. On l'avait fait ce camp ou pas? Ah oui, non, on l'a pas fait ce camp, je crois. Ah, je sais plus. Non, on l'a pas fait celui-là. Par contre, je crois déjà avoir compris comment il fallait faire pour l'atteindre. Sauf si, bien sûr, il y a ça qui se déclenche. Punaise, toi, tu me gonfles. Viens là. Parce que j'ai pas envie de réveiller les gnomes. Tu savais à quel point t'es mal tombé, toi? Allez, on va sauvegarder. Voilà, il y a un gobelin juste là. Et je pense que je peux réussir à passer de cette manière-là. Ah bah non. Comment pour les avoir cela? Bon, on verra ça plus tard du coup. Super, je me suis fait mal. On va d'abord s'occuper de notre la dernière zone là-bas. Il reviendra quand on le pourra. Oh punaise, c'est J'avais pas vu qu'il y avait autant de marches en fait pour rejoindre les deux bouts. On va donc s'occuper de l'auriculier qui est au bout là-bas à gauche, si possible. Et voir comment ça se passe. Ah bon. La caverne de cristaux, voilà, elle est là. Trouvé. Y'a quoi après plus loin? Ok, ça va sur la plage, là apparemment on peut grimper ici. On va quand même s'occuper juste de ça pour l'instant. J'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. On dirait des poches de sang, comme s'il y avait des intestins qui débordaient de la roche. Je crois que cette falaise a une plaie ouverte. Bon, je vais me sentir con si je me fais repérer ici. Ah oui, c'était là qu'on était, que nous avons enfermé notre le gars là, comment il s'appelle? Ah, il manque pas grand chose. Au pire, j'ai essayé de l'augmenter, non? Parce que je crois que j'étais qu'il fallait que je le fasse à un moment. À dextérité, il fallait que je l'augmente à un moment ou à un autre, donc on va le faire maintenant. Voilà, comme ça, ce sera fait. On pourra ouvrir celui-ci. Voilà, gagné. Ouh, plein de bonnes petites choses. J'ai ramassé une rapière. Du coup, ça doit être cassé ici, on peut pas descendre normalement. Dans cette zone-là. Regardez. Là, ça doit être, toujours être écroulé. Bah ouais. Et on y gagne une légenderie, combien des pierres de téléportation?
essayer de pas descendre trop vite d'ici, voilà. C'est gagné. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. Hein, parce que mine de rien, on est à 51 minutes, ça commence à faire beaucoup. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier à Péline qui, je le rappelle, m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog itisson3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !